transformer son vélo en vélo électrique. Un jeu d'enfant, à en croire cet ingénieur. Son système apporte un double avantage, sa légèreté. Moteur et batterie ne pèsent que 2,6 kg. Et surtout, la mise en place n'a rien d'un casse-tête. En route. En 10 minutes, sans rien modifier sur le vélo, c'est un véritable accessoire, vous l'installez avec des outils standards, c'est-à-dire monsieur tout le monde peut l'installer en 10 minutes. Le kit électrique promet une puissance de 250 watts avec des pointes à 25 km/h et une autonomie de 60 km. Et silencieux avec ça, la roue arrière est entraîné par un galet. J'ai découvert le plaisir de pédaler sans les inconvénients. Donc je connaissais le vélo avant, en tant qu'étudiant notamment, et là j'ai redécouvert avec l'assistance électrique, tout en mélangeant les deux plaisirs, le vélo léger et l'aide dans les côtes quand on en a besoin. Ce chercheur en informatique a développé le moteur avec un autre ingénieur. 5 ans de recherche et d'essai avec le soutien technique et financier de plusieurs laboratoires de Grenoble et le groupe ST Microelectronics. Tu as pu avancer sur ton code ? Capteurs et logiciels intégrés font la différence. Donc tu as pu tester. C'était un produit qui avait un intérêt, disons, sociétal. Et donc ça nous a motivés pour créer ce partenariat et transférer cette technologie pour simplifier, pour faire qu'il soit utilisable de manière à grande échelle. Le kit, adaptable sur tout type de vélo, est commercialisé en ligne. Une première série à 500 exemplaires, vendue autour de 900 euros. Un prix adapté au marché, selon les concepteurs.